Je m'appelle Victor, je suis demandeur d'emploi depuis quelques temps, je cherche du travail et je ne sais pas vers quel secteur d'activité me tourner. Ma conseillère emploi m'a dit qu'en Flandre occidentale, les entreprises sont à la recherche de personnel et elle m'a parlé du projet Compétences sans frontières. Ce projet permet aux demandeurs d'emploi de découvrir trois secteurs clés que sont l'agroalimentaire, le textile et les nouveaux matériaux et l'éco-construction. Ma conseillère m'a expliqué qu'il est assez facile de travailler pour un de ces secteurs, il ne faut pas d'expérience pour y entrer. Le projet offre, après une journée découverte, une courte formation pour avoir les connaissances de base. Je me suis inscrit pour participer aux journées découvertes de ces trois secteurs. J'ai eu la chance de découvrir des secteurs que je croyais connaître, mais où j'ai été surpris de la diversité, de l'innovation et de la modernité. Et vous, connaissez-vous ces secteurs? Je vais vous partager mon expérience et ce que j'ai appris. La première journée découverte à laquelle j'ai pu participer était une journée organisée à la vitrine agroalimentaire à Roulers. J'ai été très bien accueilli avec des demandeurs d'emploi des trois régions. Le secteur nous a été présenté avec ses nombreuses opportunités d'emploi. J'ai pu ensuite découvrir les compétences requises sur les différents métiers grâce au jeu interactif du Job Labo. J'ai même pu m'essayer à la conduite d'un chariot élévateur. J'ai pu ainsi identifier mes aptitudes et exercer différents postes dans l'agroalimentaire. Ensuite, nous avons découvert les installations du centre de formation du VDAB, où les formations transfrontalières sont organisées. Après un petit lunch avec l'équipe qui a pu répondre à mes questions, j'ai eu la possibilité de visiter une entreprise agroalimentaire où j'ai pu m'imprégner de l'atmosphère industrielle. J'ai été surpris de découvrir la grandeur des machines, le bruit, la diversité des postes et surtout la modernité. Le responsable de production nous a laissé discuter avec des salariés qui ont pu répondre à nos questions. Toutes les affiches et panneaux sont dans les deux langues et l'entreprise propose même d'apprendre le néerlandais sur le lieu de travail. Au final, je me suis dit que ce secteur pouvait m'intéresser, d'autant plus qu'il y a de nombreuses offres d'emploi dans les entreprises flamandes situées à quelques kilomètres de mon domicile. À Dunkerque, Entreprendre Ensemble propose un accompagnement spécifique aux demandeurs d'emploi qui, comme moi, sont prêts à tenter leur chance de l'autre côté de la frontière. La journée découverte textile s'est déroulée au Seyfret à Moucron. Grâce à une présentation sur le secteur accompagnée d'une visite de la vitrine textile, j'ai appris de nombreuses choses sur un secteur que je pensais connaître. Selon moi, le textile, c'était principalement les vêtements. Mais j'ai découvert que dans notre région transfrontalière, le secteur a fortement innové et s'est tourné vers les textiles intérieurs, comme les tapis, et vers les textiles que l'on appelle techniques. Saviez-vous que l'herbe synthétique fait partie de ce secteur? Et que les sachets de thé Lipton sont fabriqués dans nos régions? Je vais vous montrer un petit film qu'ils ont réalisé pour présenter le secteur. Ah! Chouette que vous soyez là. Je m'appelle Max. Je serai aujourd'hui votre guide dans le secteur du textile. Je suis sûr que vous vous demandez, c'est quoi le textile? Ben, je vais vous le montrer. Imaginez-vous cette situation quotidienne. Et maintenant, enlevez tout le textile. Comme vous voyez, le textile est hyper important. Voilà, la sécurité est plus importante. Merci. Allons-y. Le secteur a besoin de collaborateurs enthousiastes débordants d'idées. Que vous soyez un ingénieur ou opérateur de production, chez nous, vous trouvez toujours votre bonheur. Parfait. Et les collègues sont très sympas. Et si ça ne suffit pas, regardez dans toutes les situations dingues dans lesquelles on retrouve du textile. Les produits à la base de textile sont vraiment partout. Des podiums aux super-héros. De ceux qui prennent le temps d'apprécier aux bolides les plus rapides. Je suis vraiment fier de notre contribution inestimable à la société. J'avais pas mal de questions sur les fonctions dans ce secteur. Les formateurs ont pris le temps d'expliquer les principales fonctions demandées dans les entreprises. Il était plus clair pour moi de comprendre ce que veut dire opérateur extrusion ou même plus simplement ce que fait un tisserand. Saviez-vous qu'il ne faut pas avoir d'expérience avant de commencer à travailler? Les nouveaux collaborateurs sont formés sur le lieu de travail grâce à un système de parrainage. J'ai aussi pu découvrir tout un mur reprenant les offres d'emploi de la région de l'Eurométropole, Lille, Courtrai, Tournai. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'offres d'emploi dans la région. La majorité des entreprises textiles se trouvent en Flandre occidentale, le long de l'E17, donc très facile d'accès. La plupart des employeurs n'exigent pas la connaissance du néerlandais, et il est possible d'apprendre le néerlandais sur le lieu de travail. En fin de matinée, les formateurs avaient organisé un workshop sur le nœud de tisserand. Ce nœud a la particularité d'être extrêmement solide et il est demandé dans la majorité des entreprises textiles.
Nous avons ensuite visité la vitrine textile qui expliquait chacun des sous-secteurs du textile, comme les textiles d'intérieur, les textiles d'habillement, les textiles techniques, l'ennoblissement et la production de fils. Une vidéo présente le sous-secteur brièvement et grâce aux vitrines, on a pu toucher les matières et voir la différence entre un tissu et un tricot, entre du coton et du lin, un morceau de corde de bateau. L'après-midi, j'ai découvert une toute nouvelle entreprise textile dans la région. J'ai pu comprendre ce qu'était le bobinage, filage et tissage en parlant également avec un collaborateur qui nous a expliqué les étapes de son travail et les qualités essentielles comme être minutieux et ne pas être daltonien. Ce qui m'a marqué, c'est de voir que les travailleurs sont vraiment fiers de leur travail et des produits qu'ils fabriquent. Dans ce secteur, les collaborateurs travaillent majoritairement en équipe et l'entreprise tourne constamment, même la nuit et les week-ends. Concernant le secteur éco-construction, j'ai visité Acasus, la vitrine de l'éco-construction située à Furnes, en Flandre occidentale. J'ai pu découvrir ce nouvel endroit lors de son inauguration virtuelle au mois de novembre 2020. Plus explication de la mallette et vidéo, plus vidéo d'un chantier. J'ai pu y découvrir des chantiers et bâtiments exemplaires du secteur. Visiter une exposition montrant des entreprises du secteur et toutes les innovations et les nombreuses inventions techniques dans le domaine, c'était très intéressant. Si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à surfer sur le site d'Acasus. J'ai également découvert les éco-matériaux d'isolation, ainsi que leur technique d'application grâce à la mallette et à Isolation, qui est un outil didactique destiné à la sensibilisation et à la formation. Et j'ai pu faire découvrir cette mallette à mes amis grâce au petit film de présentation de celle-ci, en français et en néerlandais. Lors des jeudis du webinaire traitant de tous les sujets relatifs à l'éco-construction, un webinaire m'a particulièrement intéressé, celui sur le cycle de vie d'un bâtiment, qui m'a permis d'en apprendre plus sur le sujet et de connaître les outils tels que le totem, permettant de calculer l'impact d'un bâtiment sur l'environnement. J'ai participé à la journée découverte, durant laquelle j'ai pu découvrir le centre de formation du VDAB avec une maquette taille réelle, de voir ce qu'est l'éco-construction et d'approcher les entreprises du secteur. Des experts de l'éco-construction, au travers de 6 petits films, m'ont convaincu de l'avenir très prometteur du secteur tant au niveau de l'emploi que des possibilités d'évolution. J'ai été ravi de découvrir 3 secteurs porteurs et innovants. Je suis convaincu qu'il y a de l'emploi pour moi et grâce au conseil des organisateurs du projet, j'ai décidé de suivre une formation. Je me suis également tenu au courant de celle suivie par mes collègues demandeurs d'emploi, Max et Julie. Je vais vous raconter nos expériences. Une connaissance, Julie, a suivi la formation Introduction au métier d'opérateur d'emballage qui se passe en partie en France et en partie en Belgique. Dans l'atelier du VDAB à Rouselard, qui est super bien équipé, Bart, le formateur flamand, leur a appris à travailler sur une machine d'emballage et a expliqué les techniques à acquérir. Julie est très enthousiaste, d'autant plus qu'elle a appris quelques rudiments de termes techniques en néerlandais. J'ai pour ma part choisi de suivre la formation Conducteur de lignes textiles. Lors de ma visite d'entreprise, j'ai été fasciné par la technicité des produits et des machines, donc j'ai voulu en savoir plus. Cette formation très courte s'est déroulée dans les deux langues. Il y avait Dominique, formateur français et spécialisé dans le tissage, accompagné d'Anne-Laure et Martine, toutes deux formatrices textiles pour le centre flamand. J'ai eu 2 jours de théorie au CEFRET, à Moucron, suivi de 3 jours de pratique dans l'atelier de l'école secondaire du PTI à Courtrai. C'était une formation de base, où j'ai appris plus en profondeur comment faire le nœud de tisserand et le nœud plat. Les formateurs nous ont mis en petits groupes pour apprendre le fonctionnement du bobinoir et du métier à tisser. Au bout de cette courte formation, j'ai appris à monter les bobines dans un ordre précis, à préparer le métier à tisser avant la production, à le mettre en marche, à comprendre pourquoi la machine s'est arrêtée, retrouver le défaut pour pouvoir réparer un fil cassé et remettre la machine en production. Ce qui m'a frappé, c'est le bruit assourdissant des machines et la vitesse de production. En une demi-heure, on avait déjà produit plusieurs mètres de tissu. Un facteur essentiel est la qualité. Le moindre petit défaut fait que le produit n'est pas accepté et que l'on peut tout jeter si ce n'est pas réparable lors du contrôle qualité. Grâce à la mixité des formateurs, j'ai appris du vocabulaire textile en néerlandais. Un grand plus pour travailler de l'autre côté de la frontière. Au terme de la formation, les formateurs nous ont donné des informations sur les entreprises qui recrutent et les demandes spécifiques de l'entreprise. J'ai pu ensuite voir avec ma conseillère pour faire un stage dans une entreprise d'une semaine avec, qui sait, la possibilité d'être embauché. Mon copain Max, voyant tous les nouveaux bâtiments qui se sont construits, a opté pour cette branche. D'autant plus qu'il est un adepte des matériaux et techniques qui assurent une durabilité et qui sont respectueux de notre environnement. Il a d'abord suivi une formation de maçon, étant convaincu qu'il faut d'abord maîtriser les techniques de base pour pouvoir évoluer vers une maîtrise et un apprentissage des isolants éco-compatibles.
Là aussi, l'atelier du VDAB a été une belle expérience. Max s'est rendu compte, grâce à la visite d'une maison témoin, de tout ce que cela implique, et notamment concernant l'isolation de la maison, du sol au plafond jusqu'au toit. Des cours de néerlandais pour maîtriser le langage technique de la construction lui ont été donnés, lui permettant ainsi d'avoir la possibilité d'aller travailler en Flandre une fois sa formation terminée. La mallette à isolation fut là aussi un outil parfait pour apprendre les écomatériaux et savoir comment et où les placer. Maintenant que nous avons acquis les techniques et les gestes de base, nous pouvons commencer notre recherche d'emploi. Nos conseillers nous ont aidés à rediriger nos CV et à préparer les entretiens d'embauche. Excellente nouvelle ! J'ai été sélectionné dans une entreprise qui a ouvert ses offres d'emploi aux francophones. Ça faisait longtemps que la RH avait des offres d'emploi. Elle a eu un entretien avec les partenaires RH du projet, où elle a reçu de nombreuses explications comme « comment faire pour me recruter », « où j'allais devoir payer mes impôts », « où suivre une formation en néerlandais », etc. Elle a même eu une notice lui permettant de retrouver toutes les informations nécessaires et elle s'est lancée dans l'aventure. Après des tests positifs, j'ai pu intégrer l'entreprise. Preuve en est qu'en se préparant bien, avec l'aide qui est proposée, on peut y arriver. Voor onze grensarbeiders of Franstaligen hebben we eigenlijk heel veel van onze communicatie die in twee talen verspreid wordt. Dus zowel Nederlandstalig als Franstalig.